Ma vie a basculé. J'étais quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait le monde, j'aimais le commerce. Je faisais beaucoup de business en tout cas. J'aimais vraiment me chercher, je n'aimais pas me dépendre des autres. Et j'avais le sang du commerce en moi. Mais après que Christ m'a touché, tout de suite, c'est comme si je. Tout cela, après qu'on m'a remis la Bible, c'est comme si la Bible était devenue un médicament pour moi. Qu'il fallait à tout prix ouvrir la Bible le matin pour être en santé. Il fallait lire la Bible pour être en santé. Il fallait rester là où il y a la parole de Dieu. Il fallait rester où là il y a la vie en Christ pour être à l'aise. Et ainsi de suite. C'est dans cette marche-là que je me faisais même beaucoup avoir en voulant soutenir les hommes de Dieu. Même malgré cela, le Seigneur m'aimait. Et j'obéissais. Je mets tout ce qui est saint, tout ce qui est vrai. Et parce qu'il faut avouer que d'abord, de nature, même, j'aime ce qui est vrai. Si de nature, si, ce qui n'est, je n'aime pas à peu près, ce que je veux faire, je fais bien. Et tellement, Dieu, de ma naissance même, même sans être converti, si tu vendais quelque chose, je suis la première à venir acheter le jour, là, tu vas vendre jusqu'à. Parce que, vous savez, on ne devient pas prophète, on est prophète. On ne devient pas prophète, on est prophète. J'avais d'abord un sang. Que tout ce que je veux faire pour que ça soit parfait. Soit je fais, soit je ne fais pas. Non, soit je fais, soit je ne fais pas. Mais si je veux faire, je me fais bien. Alors quand je reçois la Bible, je deviens accro. C'est comme si ce qu'on appelle télé, le Seigneur enlève devant moi. Je peux faire un an, 5 mois, sans même allumer la télé pour regarder. Ça ne me fait rien. Je me souviens un jour, je suis arrivée, j'ai dit, mettez le journal. Ma fille a dit, maman, tu as dit quoi? J'ai dit, mettez le journal. Je veux voir le journal. Oui. Tu as dit qu'on met quoi? J'ai dit, le journal. Dit, hey, ça a changé. Maman, il ne faut pas changer. J'ai dit, non. Je voulais voir un journal, je veux savoir la météo de demain. On dit, ah! Donc, après que Christ m'a touchée, je ne pouvais pas expliquer ce que je vivais, ni mon ressenti. J'étais devenue autre chose. Tout ce qui m'intéressait, c'est Dieu. Dieu, 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 Dieu. J'étais devenue autre chose. Autre chose. Autre chose. Vraiment, je ne peux pas vous expliquer ce que je vivais. Mais les gens qui me connaissent avec le commerce que j'avais, les autres m'ont demandé que, mais attends, toi là, comment tu fais pour ce que tu gérais d'un coup, tu abandonnes? Oui, mais je ne pouvais pas expliquer. Du jour au lendemain, le Seigneur va me dire, quitte ceci, je quitte cela, je quitte cela, je quitte cela, ainsi de suite. Mais un jour, je me souviens de ma première rencontre avec le Seigneur. J'adorais le Seigneur, je pouvais commencer à adorer le Seigneur. Dès que j'arrive, une fois qu'on finit à manger, je vais dans ma chambre, adorer, adorer, adorer. Si mon mari arrive dans la chambre, moi je prends mes trucs, je vais au salon. J'aimais les adorations, j'adore, 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 j'adore. Jusqu'à 6 heures, je ne suis pas fatiguée. Hey, j'adorais. Ça, franchement. Yeah. Et un jour, j'ai dit à Dieu que franchement, Seigneur, je ne comprends pas. On me dit que tu te révèles aux gens, mais moi, tu t'es jamais révélé à moi. Je veux aussi te voir. Je veux aussi t'entendre. Le jour-là, j'ai démarré mon camion. Comme ma marchandise était toujours derrière les camions là, on charge des camions. Donc, j'ai démarré. Je suis allée quand j'ai garé, pendant que les ouvriers déchargeaient la marchandise, je suis restée dans ma voiture. J'ai dit à Dieu qu'aujourd'hui, si je ne te vois pas, j'ai commencé parce que dès que j'entrais dans ma voiture, je commence à adorer le Seigneur J'ai commencé à adorer le Seigneur, adorer. Adoré, quand j'ai garé la voiture, j'ai seulement baissé une petite vitre comme ça, j'ai balancé la clé dehors pour ne pas qu'on me perturbe. J'ai monté le volume, j'adore le Seigneur, j'adore le Seigneur, j'ai adoré. Il dit que si tu ne m'apparais pas aujourd'hui, je ne vais pas sortir de cette voiture, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Si je ne te vois pas, si tu veux la marchandise pourrie, je n'entre pas dans ma voiture pour sans que. Quand les ouvriers ont fini de décharger le camion chargé, ils sont venus me toquer comme ça. J'ai baissé un peu la vitre pour récupérer mes clés, garer, aller rester au parking. Jusqu'à midi, comme ça, là, la lumière de Dieu apparaît. Wow. La puissance de Dieu est rentrée dans la voiture. C'était fou. La lumière,
je voyais dans cette lumière, j'avais une puissance, je ne sais pas, j'ai vu une puissance, je ne pouvais pas expliquer ce que c'était ma première fois d'avoir une visitation avec le Seigneur. Et quand j'ai vu comme ça, le Seigneur m'a ramené dans une autre dimension. C'est comme si un sommeil est venu. Après, maintenant, j'entendais un chant. Emmanuel. C'est vrai que ça se ressemble, c'est pas cette chance. Emmanuel, l'autre Emmanuel qui. Oui, dans Emmanuel, c'est le chant-ci, comme les deux, c'est Emmanuel. Emmanuel. Et puis, le Seigneur me transforme, je me trouve devant, c'était un palais. Je traverse la porte, le portail, je rentre. Et quand je rentre dans ce palais, je suis en train de voir par la fenêtre. Il y a un trou à la fenêtre. Donc, la fenêtre, là, je suis en train de voir. Mais beaucoup de gens étaient alignés. Mais il n'y avait pas quand même le nombre de beaucoup de personnes. J'étais aligné devant le père. Tout le monde était assis. Et il y avait un vieux qui était là. Un vieux barbu comme ça, là. Il est assis. Il s'occupait des gens. Moi, je suis venu caler à la fenêtre. Je ne peux pas rentrer. Donc, j'étais avec un monsieur, là, un garçon que je connais. Je suis à la fenêtre. J'attends. Et puis après, j'ai dit, Seigneur. Et puis après, Et je vois le Seigneur un tour, il me dit, j'entends la voix, rentre. Et puis quand il dit rentre, il dit, libérez la place. Ma fille arrive. Et tout le monde est sorti. Moi, je suis venu m'asseoir seul. Ma première rencontre avec le Seigneur. Et quand je suis venu m'asseoir, je suis dans une vision comme si je suis parti. Avec le chant là qui est en train de chanter. Et le Seigneur me regarde et rigole. Il me dit, ma fille, tu me cherches? Me voici. Je me montre à toi. Il m'a donné un bâton. J'ai pris le bâton. Il m'a dit, mets par terre. J'ai mis le bâton par terre. Quand je mettais le bâton, ça tirait des racines, ça sortait. Il y avait des choses, ça sortait. Il m'a dit, ça c'est tout ce qu'il y en a. On avait enchaîné vos vies avec. J'ai détaché. Moi-même, je me délivrais. J'ai délivré. Après, quand j'ai fini, il me dit, remets-moi mon bâton. Il a remis son bâton. Et puis le Seigneur me dit, tu vois, j'entends le chant Emmanuel. Il me dit, tu vois, c'était mon fils. Quand il est venu, ils ne l'ont point accepté. Ils n'ont pas cru. Mais je t'envoie. Va. Je serai toujours avec toi. Et puis d'un coup, la vision est finie et je pleure. Et je dis, wow, j'ai vu le Seigneur m'a apparu. Partant de là, là, c'est ma première rencontre avec le Seigneur. J'ai dit, j'étais dans une joie. J'ai dit, oh Seigneur, tu es merveilleux. J'étais dans une joie, je ne peux pas expliquer. J'ai dit, wow, Seigneur, tu es formidable. Et c'est là, après cela, ma foi pour Dieu a continué à une dimension. Je monte. Et j'ai cherché, je priais. Je priais. Je ne sais même pas ce que je faisais. Ma vie était devenue, il n'y avait plus. Si tu m'appelles, tu commences à dire autre chose. Si ce n'est pas Dieu, c'est comme si je m'ennuie. Mais quand on veut parler de Jésus, on peut parler, on continue. J'oublie que j'ai même le téléphone, mais on peut aller jusqu'à demain. On parle. Si une fois qu'on entre dans la parole, on peut aller, je suis attentif, ça me fait du bien d'entendre. Mais la plus grande vision que j'ai reçue, l'une des grandes, parce que le Seigneur m'a tellement visité, vraiment, il m'a tellement visité. Alors cette vision, je suis rentrée un soir, c'était lors d'un programme, je jeûnais. Un soir, j'ai tellement adoré le Seigneur, j'ai adoré. À un moment, de 22 heures comme ça jusqu'à 3 heures, je suis couchée là. Le Seigneur m'a ramenée dans une autre dimension. Et
puis, je me suis vue entre les mains de Jésus. Il me tenait la main. Moi, je suis couchée là, mais je me vois, il me tient la main. Et moi, je suis là, je marche avec lui comme un enfant. Et j'avais devant lui, c'était l'âge de 6 ans. C'était l'âge de 6 ans. Donc, je venais, je n'avais pas encore, voilà. Et l'âge de 6 ans, là, et lui et moi, on marche le chemin. On marche. Il me dit, on cause, on parle. Et puis, je suis content. Comme un enfant qui a vu son père, il est vraiment comme un enfant. Et puis, je me regarde, on se balade, on parle, on marche sur le chemin. On marche jusqu'à... On est arrivé, maintenant, une dimension, on a commencé à s'envoler. Et quand on a commencé à s'envoler, la trompette du ciel a commencé à sonner dans nos oreilles. On montait. On était dans un autre espace. Et quand on est arrivé au ciel, moi, je me retrouve sur un cheval, lui aussi sur un cheval. Il y avait beaucoup de chevaux. Et maintenant, il y avait beaucoup de personnes de deux côtés qui marchaient, qui étaient de côté, qui, pendant que nous sommes au milieu, en train de marcher sur les chevaux, mais il y a des gens qui étaient là, qui étaient alignés. Moi, je suis parti. On marche. On est parti, quand on est arrivé, il se va en palais devant le trône de Dieu. Il dit, on descend. Je ne sais même pas comment on descend. Tu te rends compte que tu n'es plus sur le cheval, mais tu te retrouves à terre. On est prosternés, nous deux. Il dit au Père, j'ai ramené, et j'entends, elle est là. Et le Seigneur me dit, ma fille, comme ça, tu es là. Je dis, je suis là, Seigneur. Il a pris 3 rouleaux. Il m'a remis premier. Il m'a dit, tiens, j'ai pris. Deuxième, tiens, j'ai pris. Troisième, il dit, j'ai fini. Et puis, il retourne, il lui dit, tu peux partir avec elle. Lui et moi, on se retrouve sur les chevaux. On repose, on retourne. La vitesse au monde. À une autre dimension, on commence à planer en l'air. Et quand on commence à planer en l'air, on s'est retrouvé, quand on est descendu, c'était dans un stade. Où c'est un planète, je ne sais pas. Quand il n'y a pas la fin. Mais il y avait le monde. Mais quand lui et moi, on descend, je le regarde, il me regarde. Bizarrement, quand on est face à face, donc, moi, je tourne le dos aux gens, et lui, il est face à moi. Moi, je tourne le dos à toute la foule qui est là. Mais lui, maintenant, il est face à moi. Moi, je tourne le dos. Lui qui est face à moi, moi, je le vois. Mais la foule qui est là ne le voit pas. Mais moi, je le vois. Et qu'est-ce qu'il s'est fait? Il me prend dans ses bras. Et quand il me prend dans ses bras, il rentre en moi, il disparaît en moi. Et les gens ne le voient plus. Mais après, quand il rentre en moi, j'entends la voix dire, retourne-toi maintenant. Je me retourne envers la foule. Maintenant, il dit, commence le travail. J'ai commencé à prêcher, les gens tombaient, les gens étaient malades, les paralytiques marchent, les gens pleuraient, les chaises de louange sautaient, le Seigneur. Et j'étais devenu autre chose dans la vision. J'ai dit, ouh, en 2017, ça c'est une vision, 2017. Après cela, le prophète Élie est venu dans la même vision. Le prophète Élie, Jean-Baptiste, le prophète Samuel, les 3 prophètes, ils sont arrivés. Après, j'entends, vas-y, la mission commence. Et là, je me réveille, je crois que c'était une vision. Là, je me rends compte que c'était une vision. Eh bien, mais vous croyez que c'était quand j'ai vu tout ça là. Mais c'est là que les problèmes ont commencé dans ma vie. C'est là que les épreuves du monde entier ont descendu sur moi. C'est là qu'il fallait voir les trahisons et les trahisons, les blessures et les blessures.
C'était fort. C'était fort. Mais mon expérience avec Dieu est si costaud. Ah oui. Vraiment, je partage un tout petit peu avec vous. On continuera encore d'autres parce qu'il y en a beaucoup. L'apparition de Christ en moi, dans ma vie. Et vous savez, c'est pourquoi les gens peuvent ne pas comprendre. Pourquoi est-ce que c'est une femme que Dieu est en train d'utiliser autant? Pourquoi? Il y a une histoire derrière. Il n'a même pas commencé. Il n'a même pas commencé. Vous savez, si Dieu me permet, je continuerai à partager mon expérience avec vous. Et je souhaite à tous ceux qui écoutent cette vidéo d'avoir la détermination avec Christ, surtout l'adoration et la louange. Louez beaucoup le Seigneur. Adorez beaucoup le Seigneur. Vous aurez des très grandes rencontres. Soyez bénis.